Chers amis, frères et sœurs, combattants pour la cité céleste, compatriotes haïtiens, nous yo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur channel YouTube Force Prière. Côté nous prier, louer mon Dieu, lire la Bible nous chaque jour, trois chapitres par jour pendant année ça. Devise channel Force Prière, c'est prier, veiller, agir. Non, moi c'est Kathy Charles des Joies. N'en baissez tête nous légèrement pour un coup de prière avant de commencer. Papa nous qui dans ciel yo, nous bénissons, nous exaltons, nous louons parce que c'est vous-même qui bon Dieu nous. Nous allons commencer avec force prière, nous demandons tant prier. Vos esprits saints pour guider nous avec le pardon de nos péchés. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous prions chanter. Dans le chant d'espérance numéro 94. Moi, ta vle du ou, c'est Jésus, fait bouquet moi. Depuis moi, t'es joint ni coupon, somme moi. Moi, t'as dit ou, j'en la vie, t'es changé complètement. Et que moi, t'es rempli à avec contentement. Personne peut jamais aimer moi quand Jésus. Pas guéillon d'un bon ami qu'on lit. Non, point l'autre que blanchit péché qui vous a. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec l'événement des derniers jours. Et le chapitre 3 intitulé « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ?» Et je dis, nous avons sous-titre « Les limites de la patience divine » paragraphe 111 à 116, page 43. Et 44. Les limites de la patience divine. Avec une précision sans erreur, celui qui est infini compte les péchés de toutes les nations. Tandis que sa miséricorde renouvelle les appels à la repentance, ce compte débiteur demeure ouvert. Mais à partir de certains chiffres fixés par Dieu, alors le ministère de sa colère commence. Dieu garde le souvenir des péchés des nations. Les chiffres gonflent leur compte débiteur dans les livres du ciel. Et lorsque sera établie la loi selon laquelle la transgression du repos du premier jour fera l'objet d'un châtiment, alors leur coupe sera pleine. Dieu enregistre les péchés des nations. Quand viendra le temps où l'iniquité aura dépassé les bornes de la miséricorde divine fixée d'avance, la patience de Dieu s'épuisera. Lorsque la somme des péchés enregistrés dans les livres du ciel touchera à son comble, alors la colère de Dieu se déchaînera. Bien que la patience de Dieu supporte longtemps le transgresseur, il y a une limite que l'homme pécheur ne saurait dépasser. Lorsque cette limite ultime est atteinte, alors les offres de la grâce sont retirées. Et c'est le ministère de la justice qui commence. Le temps vient où, dans leur fausseté et leur insolence, les hommes atteindront un degré de méchanceté que le Seigneur ne leur permettra pas de dépasser. Et ils apprendront alors que la patience de Jéhovah a des limites. Il est une limite au-delà de laquelle
le jugement de Jéhovah ne peuvent être retardés. Chers amis, frères et sœurs, avec une précision sans erreur, moun ki bagay fe an, konté péché toute nation yo. Tandis que miséricorde renouvelé appel yo pour repentance. Compte ça que bon Dieu fait ya, rete ouvert. Mais les li rive nan yon certain chiffre que bon Dieu fixé, alors ministère colère li ya a commencé. Bon Dieu garde souvenir péché nation yo. Chiffre la gonflé nan liv ciel la. Et que loi bon Dieu a établi et que transgresseur yo kap transgresse premier jour a fait objet de châtiment. Laisse ça coup yo a rempli. Bon Dieu enregistre péché nation yo. Quand yon tan vini, les péchés iniquité a dépassé limite miséricorde divine fixée d'avance là, patience mon Dieu a épuisé. Lorsque tout péché qui enregistré dans livre ciel là touche dernière limite li, alors laisse ça colère mon Dieu a déchaîné. Même les patience bon Dieu t'a supporté pendant longtemps moun qui t'a transgressé loi lio, mais gagne yon limite que l'homme pécheur pas doit dépasser. Les l'homme rive nan limite ça que yo pas doit dépasser ya, laisse ça tout off de la grâce a suspend et ministère justice là a commencé. Gen yon tan kap vini kote fausseté et insolence des hommes a privé à un degré de méchanceté que Seigneur a pas permettre yo dépasser. Les hommes pral apprendre que patience mon Dieu gagne limite. C'est yon limite qui tellement dépassé bonne que jugement Jéhovah pas capable retardé encore. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Nous allons continuer avec Chant d'espérance, nous, numéro 94. Vim te tout seul à péché, les Jésus joignent moi. Qu'aime tes plaques, misère, tête moins t'es chargée. Mais avec amour, li Jésus t'a développé moins. Et li conduit moins côté m'te doit aller. Personne pas j'aimerais mais moins qu'au Jésus. Pas gagnant l'autre beaux amis. Qu'on lit, non, pour l'autre qu'a blanchi péché, qui vous empire. Oh, à la lire, moi. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrons continuer avec la lecture de la Bible. Nous allons lire en français et en créole. Mais avant de faire ça, nous allons baisser la tête légèrement pour un coup de prière. Papa, yon qui dans le ciel, yo, même petit yo devant face béni, tout petit tout yo, Seigneur. Nous baisser bien bas devant face béni pour nous boire toute gloire et honneur que nous même seul mérité. Nous venons devant face yo. Au pied de la croix, alors que nous pourrons aller ouvrir la Sainte Bible. Nous demandons tant, prie Papa, assiste-nous par ton Saint-Esprit, avec le pardon de nos péchés. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Nous allons lire Exode 14, 15 et 16. Exode chapitre 14. Passage de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tisséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tisséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie
parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour,
L'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Amen. Exode chapitre 15. Cantique. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, ils dirent. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel.
jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, ô sanctuaire, Seigneur, que tes mains sont fondées, l'Éternel règnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Le peuple d'Israël dans le désert, les eaux de Marat, Moïse fit partir d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours nés de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Marat, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Amen. Exode chapitre 16. Murmure des Israélites dans le désert de Sin. Les cailles et la manne, le sabbat. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura
dans le désert contre Moïse et Aaron, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il mangera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et au matin, du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel s'adressant à Moïse, dit, j'ai entendu des murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasirez de paix. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, c'est que cela, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit,
C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homer par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun n'en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien du tout. Et celui qui avait ramassé moins ne manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y en eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint des faits. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devait point être fait. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelqu'un du peuple sortir. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortir pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture
le nom de Man. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte, et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'Homère est la dixième partie de l'Épha. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Exode chapitre 14. Peuple Israël en face de la mer Rouge. Bon Dieu parle à Moïse, lui dit. Parlez à peuple Israël là. Dis-yo, tournez derrière. On te tente nous devant Pia qui rote, entre Migdol et la mer, en face de Baal Sefon. N'a monté tant nous devant côté ça, bon en mer. Ah, on prend maintenant tête li, peuple Israël l'a perdu dans le pays. Ya. Yo pas kon côté pour yo faire dans le désert. Ma fè Pharaon fait tête dit encore, la bra possible nous, mais ma bat ni Pharaon, ni toute la mélio, ça va servir yo louange pour moi. Bon ça, mon pays l'Égypte va connaître, c'est moi-même qui sais. Mon peuple Israël yo fait Jean bon Dieu te dit yo. Pharaon, ou à l'Égypte là, recevoir rapport. Yo vin dit le peuple a sauvé aller. Dès ça, Pharaon a kon pal yo changer l'idée. Yo dit, ça nous fait là, nous quitter yo aller. Yo sauver qui te travail ou ta fait pour nous. Aaron fait pareil chalage li. Li prend soldat li yo ak li. Li prend 600 chats dans sa qui te pi bon yo. Tout l'autre chat yo te allé tout. Yo tout te gen soldat a me sou yo. Se a te ferme ke Pharaon ou a l'Egypte la. Pharaon prend la possible moun. Et Israël yo qui t'est sorti qui t'est payé à dévager tout le monde sans personne pas dire rien. Mais après ça, mon pays l'Égypte yo pour courir derrière yo à tout choix yo, tout chalage pharaon yo, tout cavalier yo, toute l'armée yo qui derrière peuple Israël là. Yo joine côté yo te monté tant choa. Bolan beya tout près y a qui rote en face Baal Sefon. En tant qu'on t'approche, mon Israël yo levé yo, yo wè mon pays l'Égypte yo qui t'a pas possible yo. Yo te pè en pile. Yo prend relé nan pied CEA. Yo di Moïse comme ça. Est-ce que c'est parce que pas gen côté pour enterrer mon nan pays l'Égypte là qui fait ou mené nous là, vin mourir ici là dans le désert? Qui ça ou fait nous comme ça?
Là où tu fais nous sortir quitter pays l'Égypte là. Est-ce que nous pas dit où ça? Là où tu l'Égypte là toujours. Nous t'ai dit où quitter nous travail pour mon pays l'Égypte. Pas vrai? Plutôt nous travail pour mon pays l'Égypte, passer pour nous mourir dans désert là. Moïse répond peuple là, nous pas besoin paix. Prends courage. Ouvrez genou pour nous voir. J'en sais rien pour le délivrer nous aujourd'hui. Mon pays l'Égypte yo nous voir aujourd'hui ya nous pas chambre yo encore. Alléluia. C'est à goumer pour nous nous-mêmes poser sans nous. Et dit Moïse pour qui ça va prêler comme ça dans oreille moi. Dis mon peuple Israël yo pour yo lever marché. Ou même lève bâton ou lan, nous j'aime ou sou nan mer. Fon ni de bo. Bon sa, moun pep Israël yo va marcher nan mitan nan mer en pou sou terre sec. Mansem moun pays l'Égypte yo fè tête di pirèd. Y'a rentre derrière moun pep Israël yo nan mitan nan mer. Pren pral bat pharaon ensemble à toute la mélia. Pou chali yo à tout cavalier yo. Ça va servir une louange pour moi. Demain, bat Pharaon ensemble avec tout chalino, avec cavalier, pour payer l'Égypte, va connaître. C'est moi-même qui sais. Zange bon Dieu qui t'a marché devant mon peuple Israël, changer place, il passe derrière. Niaz qui était devant yo, changer place tout, il passe derrière. Il était dans mi-temps entre mon pays l'Égypte et mon peuple Israël. Niaz là, et tout noir yon bo sous l'autre bois qui t'a pleuré toute la nuit. On sent de la meyo pas qu'approcher yon sous l'autre pendant toute la nuit là. Moïse quand j'ai mis là sous la mer, c'est à faire yon gros vent. Nordé soufflé bien fort pendant toute la nuit là sous la mer. Il fait fond la mer pour être sec. L'eau fond des bois. Mon peuple Israël yo entré sous terre sec là dans mitan la mer. Gloa te campé de bon temps pour yo mirail sous bon droit yo ak sous bon gauche yo. Mon peuple l'Égypte yo prend rapouci yo. Yo rentré derrière yo dans mitan la mer ak tout choual pharaon yo, tout chali yo ak tout cavalier yo. Les douze jours rivés, c'est la rete nan di feya ak niage la. Il voit Egel sous la mer pays l'Égypte là. Il a gagné au sel des autres dans mi-temps yo. Il bloqué roucha yo. Ça t'est difficile en pile pour chayo t'avancer. Les ça, mon pays l'Égypte dit comme ça. On courir quitter mon Israël yo en repos. Parce que c'est à goumer pour yo contre nous. Les ça Moïse dit, laisse ça. C'est dit Moïse. Longe men ou sous la mer encore. Gloire a tourné dans place. La couvre mon pays l'Égypte ensemble à tout chayo à cavalier. C'est comme ça. Les jours va passer. Moïse longe men sous la mer, gloire a tourné dans place. Les mon pays l'Égypte ouais gloire a vini sous yo. Yo t'a cherché sauver pour lui, yo prend courir. C'est à voyer au jeté dans la mer. Gloa tourner dans place. Di couvrir chayo, cavalier yo à toute l'armée pharaon. Oui, di couvrir tout monde qui t'a courir derrière monde peuple Israël yo dans la mer. A gen youn qui chapé. Mais mon Israël yo même te marché dans mitan nan mer en coup sous terre sec. Loa te campé tant coup yon mirail sous bord droit ak sous bord gauche yo. C'est jour ça. C'est a te délivrer peuple Israël là en bas même mon pays l'Égypte. Mon peuple Israël yo te wè cadavre mon pays l'Égypte sous tout bord nan mer. Yo wè ça c'est a te fait mon pays l'Égypte. Passer à force pour y être parlé. Et puis Israël là, vient de crédit pour CEA. Vous mettez confiance dans CEA et dans Moïse, serviteur là.
Amen. Amen. Cantique Moïse, là. Exode, chapitre 15. Laissez Moïse, ak moun pèp Israël, yo, kante yo chante pou seye ya. Mais sa chante ya, di. Ma chante pou seye ya. Alléluia. Parce que li gen bataille la. Li voye choual yo a tout cavalier yo chete nan la mer. Seye ya, se tout fos mwen. Se pou li ma chante. Se li men ki delivre. Se bon diye mwen liye. Ma fè louange li. Se bon diye zansèt mwen yo. Ma dirijan li gen pouvwa. Se ya. Se yon fanyan soldat. Se se ya yo rele. Li voye chan faraon yo ansam. A tout la men li a chete. Nan nan men. Li fè pi bon soldat li yo mouri. Neye. Nan nan men wouj la. L'am la men a kouvri yo. Yo fè fote an kou wosh. Se ya fos boa doa tou. Se kèkèn zafè. Se ye fos boa doa tou. Krasè l'ennemi ya. Jan ou gen an pil pou. Jan ou gen an pil pou vwa sa. Se ye. Ou krasè moun kap goumè avè ou yo. Ou fè yo sel kolè. Ou boule yo tan kou di fè nan pay. Nan kolè ou. Ou souffle, souffle ou fait de l'eau, ramasse col. L'homme yo campé direct, tant pour yon miraille. L'eau vint dit, dans mi temps la mer. L'ennemi a te dit, m'a couru derrière yo, m'a pran yo, m'a séparé toute richesse yo, m'a pran tout semblé, m'a râlé l'épée moi, avec force poignette moi, m'a disparaît yo. Pour un nick fait ou t'y va lever. La mer a couvri ou. La mer a te mauvais. Yo descend nan fond en couplon. Seigneur, nan tout bon Dieu, qui laisse qui t'en pour ou? Pour voir ou fait ou respecter ou? Ou c'est bon Dieu qui a pas nien? Qui laisse qui t'en pour ou? Ou même qui fait miracle? Ou qui fait merveille? Pour faire mon paix, il laisse qui t'en ou. Pour en éclencher mes droits tout. Et avaler tout vivant. Parce qu'il y a un bon cœur. Pour mener peur pour délivrer. Avec force pour tout. Pour mener yo dans le pays qui a pas pour ou. L'autre peuple prend nouvelle ça qui passe. Donc, nous tremblons tellement yo paix. Le seul force fait mal pour mon Philistie. À ta chef pays Edonio, et paix en pile. Voyant garçon pays Moabio, prends tremble. Tout le monde dans le pays Canaran perdit courage. Le sel qui est cassé, le sel saisissement prend yo. Avec force pour yon tout, pour faire yon rete raide, sans yon pas capable de faire rien. Pour faire yon rete comme ça, joue, pour pouvoir fin passer. Seigneur, oui. Jouk pe pou délivrer a fin passé. Pour amener yo, pour planter yo, sou mon ki pou wa. Seigneur, sou mon kote ou pare pou kay wa. Kay ou bati pou wa. Seigneur, seigneur ap gouverne pou tout an. Chouan faraon yo ensemble ak tout chan ak cavalier yo ke tombe nan la mer. Seigneur a fait de l'eau tourner nan place li. L'eau a couvri yo tout. Mais, mon peuple Israël yo même, qui marche dans le fond de la mer, tant qu'on sous terre sec. Myriam, c'est à Aaron et un prophète qui prend un tambourin dans la mer. Pour te pédam yo, tap marche de elle. Yo tap bat tambourin yo. Yo tap danse. Myriam, tap chante pour yo. Il tap dit, mon peuple Israël yo, an nous chante pour se ya. Parce que il gagne une belle bataille. Il voyait choual yo, il jeté dans fond la mer. A tout cavalier yo, sou yo. Sous l'eau, en mer yo. Moïse fait moun peuple Israël yo, parti, quitter bon en mer rouge là.
Yo mette tête yo sou bon désert choua. Yo tap marché depuis 3 jours dans désert ya sans yo pas chwenn goutte d'eau pour yo bre. Yo rive yon côté qui rele Mara. Mais yo pas capable bre d'eau, il était là parce qu'il était trop en mer. C'est peut-être ça yo rele côté ya Mara. Et là en bougonné pour de Moïse dans désert ya. Demandez attends, qui ça pour nous prendre hier? Moïse relève ses il a prié dans pied, c'est à montrer la qualité pied bois. Moïse la branche bois dans gloire, loi vine douce. C'est là c'est te ba yo l'ordre à règlement pour yo suivre. C'est là il t'a cherché son Dieu. Il dit yo, c'est moi-même qui c'est bon Dieu noir. Si nous coûtons, l'aime parler nous. Si nous faisons tout ça qui doit devant moi. Si nous ouvrons oreilles nous pour nous suivre commandement moi yo pour nous kembe l'ordre moi ban nous. Mais pas voyer malais sous nous. J'aimerais te faire moun pays l'Égypte yo. C'est moi-même, c'est elle a guéri nous. Après ça, nous arrivons à Elim. Du côté qui te gagne 12 sous l'eau avec 70 pieds d'âge. Yo rete là, yo monte tant chou pour l'eau. Amen. Amen. La manne à Zotola. Exode chapitre 16. Après ça, tout le monde peuple Israël yo parti qui te Elim. Yo rive dans désert, yo rele Sin. En Elim ak mon Sinaï. Là on rive là, yo te gen yon mois 15 jours depuis yo te parti kite l'Égypte. Yo tout pran bougonné sous do Moïse ak Pharaon dans désert ya. Yo tap di yo, pou ki sa seye a pa toutouye nou dans pays l'Égypte là. Là ça, nou te kon chita devant bol viande nou. Nou te kon manje et plein ventre nou. Mais ou mené ou même à Pharaon nous mené nous dans désert pour faire toute quantité moun sa yo mouri grand goût. C'est à dit Moïse comme ça, pas faire pain tomber sorti dans ciel là pour nous tant pour graine la pluie. Et là va sortir chaque jour pour ramasser mes li besoin pour journée là. Comme ça, m'a gardé pour moi si oui ou non. Yo vle marcher sous l'ordre mwen vwe. Chaque sixième jour, nan semen nan, y a ramasse deux fois la vale, sa yo kon ramasse l'autre jour yo. Y a pare mette la. Moïse ak Pharaon di, tout moun, pep Israël yo, aswe ya, na kone se seye ya, ki te fe nou, pati ki te peyi lechi. Demain matin, na wè ki kalite pou vwa seye ya, genyen. Étant déjà n'a bougonné sous doli parce que moi-même à Pharaon et ça nouyé pour c'est sous nous n'a bougonné comme ça c'est sous bon Dieu n'a bougonné après ça Moïse dit yo c'est Seyea qui ban nous viande pour nous manger chaque soir c'est lui-même qui ban nous quantité pain nous besoin chaque matin parce que Seyea attendait pour bougonné n'a bougonné sous lui ya nous-même et ça nouyé c'est pas sous nous n'a bougonné mais c'est sous Seyea n'a bougonné laisse ça Moïse dit à Pharaon mais ça pour dire tout le monde peuple Israël poche vin devant Seyea parce qu'il tend déjà n'a plein pendant Pharaon t'a parlé à tout le monde peuple Israël yo yo viré tête yo bois désert yo wè pouvoir bon Dieu apparaît dans nuage là. Et a dit Moïse, mwen tande Jean moun peuple Israël la plein. Mais ça pour dire yo, aswe ya, avant li fin fè noir, la gen viande pour nous manger. Demain matin, la gen pe quantité nous besoin. Les ça na konnen se moi-même, c'est ya ki bon Dieu nou. Na aswe Zoto l'envini. To couvri tout côté ou te mouté tant choua. Dans matin, te gen
yon kouch la ouze tout alentour côté peuple là te monté tant choa. Les la ouze a disparaît, qui quitte yon kout tout blanc à terre dans désert. Kout la te fin, qui te ple ti green tant kou sel, qui te couvri tout à terre. Le moun pep Israël yo wè sa, yo pa kon sal deye, yon tap di lot. Sa sa ye sa. Moïse di yo, sa se pe se ye a ban nou pou nou manje. Men lòd se ye a ban nou. Se pou chak moun ramase mezi yo bezwen pou kantite moun ki la kay yo. Nan ramase 3 ti mamite dmi pou chak moun. Moun pep Israël yo fè sa, Moïse te di yo fè ya. Gen moun ki te ramase plis, gen lòd ki te ramase pipiti. Men, le yo mezire, sa ki te ramase plis yo, pat gen trop. Sa ki te ramase pipiti yo, pat manke anyen. Pour sa, chak moun te ramase mezi, yo te bezwen pou yo manje. Moïse di yo, e ga person sere anyen pou deme. Men, gen moun ki pat koute Moïse, yo sere ti gout pou deme matin. Nan demè yo jwen ni plein vin, li te gâté. Moïse te fâché sou moun sa yo. Chak matin yo ramase mezi yo te bezwen pou yo manje. Men pou sole la komanse chaud, bagay la te fon. Sizyèm jou nan semen nan, yo te ramase deux fois la valè sa yo te kon ramase chak jou. Yo te ramase 7 timami pou chak moun. Tout chef famille qui était à la tête peuple là vient dit Moïse ça. Moïse répond yo, mais l'autre c'est à te bail. Demain c'est jour repos. C'est jour repos qui a pas pour Seya. Cuit ça nous gain pour nous cuite. Bouilli ça nous gain pour nous bouilli. Na c'est le reste là pour demain. Jean Moïse te bail au l'autre là. Yo c'est le reste là pour demain, il pas gâté. Vert pas tomber là-dedans. Moïse dit yo, nous met manger reste là jodi ya. Parce que jodi ya, c'est jour repos, yo mette à part pour seye ya. Jodi ya, nous pas jouen en yé de yo. Pendant 6 premiers jours, c'est maintenant, na jouen pour nous ramasser. Et 7e jour, jour repos, nous pas jouen en yé pour nous ramasser. 7e jour, il y a quelques moun nan peuple là qui t'est sorti à ramasser manger mais yo pas joine rien laisse ça c'est a dit Moïse qui les nan suspend désobéir l'ordre à commandement moi yo comprend ça bien c'est moi même c'est ya qui t'est ban nous jour repos ça c'est pour être ça tout 6e jour nan semaine nan pour ban nous manger valet pour 2 jours. Dans 7e jour semaine nan, c'est pour tout moun rete kote yo ye ya. Piga personne mette tête yo dehors. C'est comme ça, le 7e jour arrivé, peuple la pas fait aucun travail. Peuple Israël la, rele manje ya la man. Il te gen forme grain pitini. Il te tout blanc. Il te gen même goût à gâteau qui fait ak sirop miel. Moïse dit yo, mais l'autre c'est à ban nou, c'est pour nous serrer 3 ti mamite dmi, plein la man pour petit nou yo. Pour ça, Yahweh qui kalite manje, rete kon ban nou nan désert ya. Lè mwete fè nou soti ki te peyi l'Egypte la. Après ça, Moïse dit à Raon, pren yon ti ja, mette 3 ti mamite dmi la man la dan, mette l devan seye ya. Pour le carrete pour petit nous yo. Aaron fait ça c'est à te bail Moïse l'autre fait. Il mettait tija devant boîte contrat. Il serait là. Mon peuple Israël yo passé 40 ans à manger la mal. Jour yo rivé dans yo pays côté yo joine moun rete. Il fait yo manger la mal jour yo rivé sous frontière pays Canaran. Pratiquement il était demi. C'est valet 3K yon gros mamite. 35 ti mamite, c'est yon gros bidon. Amen. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer dans la prière. Si, ou Solina.
Mais avant de faire ça, nous pral chanter Viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous l'Éternel qui est Dieu, c'est vous-même qui bon Dieu nous. Oui, nous disons merci de ce que vous êtes capable avec nous, vous êtes protégé nous, vous êtes prend soin nous. Seigneur, tout ça nous saute l'IA, ou jusqu'à présent, vous prend soin nous, Seigneur. Vous prend soin nous, ou fait nous traverser la mer rouge à pied sec. Oui, ou t'es capable de faire une minouille tomber, de te couvrir avec de l'eau. Eh bien, l'Éternel n'est pas capable de guimber le peuple Israël là. Et pour juste qu'on y ait Seigneur, oui, ou guimber mais nous venons dans force prière. Force prière. Chaque jour, nous prions dans pied, nous demandons pardon pour tout péché que nous faisons, pour tout commandement, Seigneur, nous pas attendre, nous abolir, nous pas faire ça, nous et voulons que vous faites et que vous dites nous pour nous faire. Eh bien, papa, oh, nous disons merci de ce côté qu'a fait, nous connaissons pas parole ça. Que c'est vous-même qui force nous. C'est vous-même qui ban nous manger rivé et avec de l'eau. Parce que Seigneur Jésus, dans l'étude ça que nous sommes liés à Seigneur, nous disons merci, oui. Là, nous pas gain de l'eau, ou ban nous de l'eau. Là, nous pas gain manger, ou mettre manger sous route nous. Là, Seigneur, peuple a pas gagné, a murmuré. Oh! Pour aimer autant de pour faire le secours. Mais qu'on y est là, Seigneur, t'en prie, nous connaissons autant de nous. Tout peuple, Haïti, et guerre tout partout. Seigneur, ou kebe moun sa yo, oui, ou ba yo manje, ou ba yo boue, oui. Moun Haïti, yo kap marche dans la rue, qui pa gen de l'eau. Ou ba yo de l'eau pour yo boire, oui. Le de l'eau a vini à mer, li pa bon, de l'eau a boire pa bon. Ou guéri de l'eau pour yo, ou fait le vin douce. Oh papa, à la bon ou bon Seigneur. Et ou a continué faire ça, oui, pour peuple là qui nan misère. Ge côté, ge pays qui pa gen de l'eau. Ge pays de l'eau que a boire, moun yo a boire yo. De l'eau ça yo pa traité. Eh bien, c'est vous-même qui traitez de loi. Dans force prière, nous lis, nous fait étude. Étude ça yo ben nous en pile à comprendre que nous pas besoin peur, nous pas besoin crainte. Les moments problèmes yo vini, c'est juste courber devant vous. Parce que c'est vous-même qui capable faire pour nous. Ou gen moun kounye la, baka yo pa genyen pou yo manje. Gen malheureux pa genyen secou. Nou mande ou Seigneur tan pri. Pote yo secou pou nou, tan pri. Fè yo grâce. Fè nou grâce. Parce que Seigneur, c'est ou même seulement. Oui, que peuple a été endurci, peuple égyptien, peuple pharaon a été endurci. Là où t'es sorti pour te faire mon travail dû, eh bien c'est même gens nous-mêmes dans pays côté nous hier, gain Seigneur, gain monde qui travail dû pour capable faire manger pour manger, eh bien Seigneur on va délivrer
Nous demandons délivrance pour tout le monde qui a un problème. Délivrance pour Sœur Renée. Délivrance pour Marie Renée. Délivrance pour Kathleen de Joie. Délivrance pour Elivencia. Délivrance pour Elsie. Délivrance pour nous tous après-midi. Délivrance pour nous tous. Nous prions au papa. Quand des cris prient, nous besoin. Fait que là, nous lions, nous comprendre et que Seigneur nous capable et comprendre nous capable de mettre en pratique. Pas quitter nous désobéir. Nous prions, tant de cris, nous. Au nom de Jésus, demandez-vous ça. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix et son amour. La vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour nous chaque qui souligne pour souligner force prière, victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour Haïti, nous pas chambouquer Seigneur, victoire au nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, combattants pour la cité céleste, compatriotes haïtiens, merci infiniment parce que nous prenons temps pour nous prier et lire la Bible nous avec Chanel YouTube en force prier. Prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force. Prier approcher nous plus près du Créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte. Et avec force prier, n'a pas accompli tout ça. Chers amis, frères et sœurs, n'a quitté nous sous attention, affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le Tout-Puissant. Sur ce, chers amis, nous vous laissons. Bonjour, bonsoir, au revoir, goodbye, goodbye, au revoir, bye bye, bye.